Nous sommes ici à Fémont depuis 1830, un petit village situé dans les Vosges où la terre est ferrugineuse. De Buyer fabrique des ustensiles de cuisine pour les professionnels et pour les particuliers. À chaque étape de la conception, que ce soit pour un produit, que ce soit pour une machine, que ce soit pour un bâtiment, nous avons toujours à l'esprit le souci écologique, le souci de préserver le site majestueux dans lequel est implantée notre usine. La société a connu un très fort développement ces dernières années, ce qui nous a conduit à construire des nouveaux bâtiments, démolir certains anciens bâtiments, mais surtout préserver les plus beaux bâtiments d'origine. Dans la suite du développement de l'usine, nous allons reconstruire l'année prochaine un nouveau bâtiment que nous allons faire à l'image de ce que nous avons fait déjà aujourd'hui, c'est-à-dire suivre les normes par rapport à l'isolation pour économiser le maximum d'énergie. L'isolation est quelque chose de très important parce que de tout temps, nous avons vécu dans une région relativement pauvre et nous avons toujours été obligés de faire très attention à notre consommation d'eau, à notre consommation d'énergie. Donc nous avons été dès le début dans une démarche qui peut être considérée comme une démarche durable. On n'utilise jamais de procédé de fusion qui est très énergivore. Un simple pliage ou un emboutissage, ce que nous faisons à l'intérieur de nos ateliers, demande très peu d'énergie. Nous sommes le long d'une rivière, la Comboté, et nous avons besoin d'eau pour créer de l'énergie et pour fabriquer donc les ustensiles de cuisine. Le meilleur exemple que l'on ait dans notre gamme d'articles, c'est la Mineralbi. C'est une poêle qui est entièrement en acier. C'est-à-dire que si on veut la recycler, il suffit de la poser dans une benne d'acier, c'est fini. Et ensuite, pour éviter de mettre un revêtement chimique dessus pour la protéger, nous mettons simplement de la cire d'abeille pure. Pour chaque produit, on choisit toujours les matériaux les plus résistants, les assemblages les plus durables, pour vraiment faire un produit de qualité qui dure et qui perdure dans le temps. Comme nous sommes un véritable fabricant français, nous nous attachons à acheter toutes nos matières premières en France ou dans les pays limitrophes. On essaie de trouver les fournisseurs les plus proches. Et dans les matériaux que nous choisissons toujours des matériaux qui puissent se recycler après. Tout ce qui est sorti de production qui n'est pas utilisé part systématiquement en recyclage. Que ce soit l'aluminium ou l'inox, que ce soit le fer ou que ce soit le cuivre, tout est recyclé. Et tout est traité par un intervenant extérieur qui va lui se charger de revaloriser ces déchets pour les faire entrer à nouveau dans un cycle de production. Donc nous avons une démarche de respect de la terre qui est notre terre nourricière. Moi qui suis né dans cette montagne, je suis content qu'on la respecte à ce point. C'est important, je pense que c'est important pour les gens qui y travaillent, c'est important pour les gens qui achètent les produits, de savoir qu'ici on respecte l'environnement. En fait, la philosophie de Buyer, c'est le respect. Respect des hommes, de nos partenaires, de nos clients, de notre personnel, respect de l'environnement. Aujourd'hui, de Buyer veut durer longtemps, donc il faut qu'on y aille en faisant attention à tout et à tout le monde.